T'as pas entendu? Casse-toi, Poufias! Mais quel malotru, je ne vous permets pas! Et moi, je t'emmerde! <laughs> Écoute, ce qui m'a donné envie, c'est que j'ai lu euh, le, le scénario, bien sûr, et euh, j'ai trouvé ça très euh, touchant. Euh, et puis, euh, de jouer le rôle d'un abruti euh, euh, complètement. Euh, méchant, euh, brutal, stupide, euh, qui, euh, qui plie en fait sous la, la gentillesse et l'humanité d'une personne. J'ai trouvé que c'était un très bon exemple à, à envoyer euh, au reste de l'humanité. Vous avez contaminé des millions de personnes. Il y a eu des millions de morts. Tout ça parce que... Vous bouffez n'importe quoi. Hein, ça va du rat à la méduse, avec votre dernière trouvaille, le pangolin. Hein, tout ce qui se bouffe pas, comme de la corne de rhinocéros, par exemple, ou de la bile d'ours. Tout ça pour faire grandir le zgeg. Hein, parce que les shintak, on le sait, ils ont des petites bites. Ben, C'est l'éternel problème de la de la, la différence, c'est-à-dire euh, on, on doit aimer l'autre même s'il est euh, différent. C'est ce que les algorithmes d'ailleurs ne, ne comprennent pas. On m'a envoyé ce matin un truc, on m'a dit qu'il y avait une chaîne euh, d'échecs, donc le jeu des échecs. Ils avaient été euh, coupés, tu sais pourquoi Parce qu'on parle des noirs et des blancs. Voilà où on en est, donc l'intelligence artificielle, l'algorithme, lui, repère pas. Ah, il dit, tiens, euh, on attaque les, les blancs, attaque les noirs sur un jeu d'échecs, et tu te fais couper par l'algorithme en question. L'intelligence artificielle est tellement euh, bête, et tellement sans nuance, qu'on peut arriver à ce, ce genre de, euh, de bêtises absolues. Quoi. Ce qui semble être une certitude, c'est que... Ce virus, puisque nous vivons avec des milliers de virus depuis des milliers d'années, hein, ce sont nos amis, euh, celui-là, il a été bricolé pour en faire un virus pandémique. Donc à mon avis, il y a une petite intervention quand même euh, humaine et tout de suite après, on va dire à qui profite le, le crime. Bah, manifestement, euh, on a l'intention de vacciner un très grand nombre de personnes sur cette planète avec un vaccin euh, qui risque d'avoir des, des effets à retardement euh, euh, catastrophiques, en tout cas qu'on qu ne sait pas encore mesurer. Donc euh, moi, comme je suis ni une tomate ni un légume, je, je ne me ferai pas vacciner, je ferai en sorte de prendre les traitements qui existent et qui fonctionnent très bien et dont font partie euh, les fameux... Les fameux couplements de, 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 de médicaments comme l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, ou euh, d'autres, il y a même des, des, des médecins qui travaillent sur des plantes qui sont aussi euh, euh, très efficaces. Euh, certaines vitamines, la vitamine C, la vitamine D, euh, le zinc, tout ça c'est euh, très intéressant. Et euh, dans la mesure où tous les gens que je connais se sont. Euh, qui se sont fait soigner comme ça ont été guéris très rapidement, sans jamais aller à l'hôpital de leur vie. Eh bien, je conseillerais à l'ensemble de l'humanité de se traiter, de laisser nos médecins traitants nous traiter, puisqu'ils ont été mis en dehors de la marmite. C'est ça, le plus, sûrement, le plus grand scandale. Je vous demande, monsieur Georges, de ne pas me tutoyer. Je vais encaisser votre cochon gras plein de et votre pinard bas de gamme, pour que vous partiez ailleurs débiter toutes vos insanités. <laughs> Mais comment elle me parle, la dame de Shanghai oh J'aimerais parler, évidemment, de ma, ma partenaire, qui pour moi est l'actrice euh, euh, numéro un de ce, de ce pangolin, de ce court-métrage. Euh, elle s'appelle Kwan Lok. Elle est extraordinaire, à la... elle porte sur elle, dans ses yeux, euh, tout euh, l'amour, tout, toute l'affection qu'on qu peut trouver chez une grande euh, âme comme elle. Et donc, euh, elle me regardait et elle me soulevait. Elle doit faire 45 kilos, moi j'en fais 100, mais elle me soulevait de, de, de bonheur. Donc. Euh, on aurait dû euh, dire c'est le film de, de Mick Wanlock. vois en oubliant un peu euh, Jean-Marie Bigard. la première fois. C'est la la dernière. Sûrement puisque maintenant. Bon et puis la rencontre euh, avec le Real. Le, le Real parce qu'il le vaut bien. <laughs> Frédéric Maury, c'était euh, C'est un mec très affectueux, très tendre et, euh, et très compétent. Donc, c'est un bonheur d'être dirigé euh, comme ça. Alors, euh, ce film euh, me touche énormément. L'histoire me touche énormément euh, parce que je suis une militante euh, de la lutte anti-racisme, et quel qu'il soit de base, et, et euh, en ce moment en fait, à cause de, de l'arrivée de la Covid, il y a eu une émergence du racisme anti-asiatique qui a toujours existé. Il y a eu beaucoup beaucoup de violences aussi bien verbales que physiques, euh, et donc c'est pour ça qu'il était important aussi pour moi de faire, de participer à ce film, et j'avais fait un coup de gueule fin avril justement pour dénoncer ça. Euh, suite à quoi justement euh, on m'a proposé ce film. Alors Jean-Marie Vigard, mais c'est un amour, <laughs> c'était euh, vraiment un coup de cœur euh, amical, humain, euh, professionnel, euh, ça a été un réel, réel plaisir de, de, de jouer avec lui. Euh, beaucoup de gens en fait euh, sont surpris quand je leur dis ça parce qu'ils restent sur l'image du personnage qu'ils jouent dans ces shows. Mais euh, humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Extraordinaire, vraiment, c'était un réel plaisir, un délice à refaire.